J'étais rentrée voir ma maman en disant qu'il y avait d'autres enfants qui se moquaient de moi. J'ai pas vraiment le souvenir du pourquoi. Je me souviens qu'on s'est moqué de moi sur mon nom. Parce que maman m'avait dit de rigoler avec les autres en disant ouais, c'est vachement drôle. Et ça avait super bien fonctionné et je n'avais plus jamais de problème et quasiment très très peu de problèmes de moquerie du coup à l'école. Et mon fils a beaucoup de mal à mettre en place cette technique pour désamorcer les conflits. Et au fil des années, c'est de plus en plus dur en fait, parce que chaque fois qu'il a d'autres gamins qui l'ennuient, qui l'embêtent, qui se moquent de lui, ça construit de l'émotionnel. Et quand on construit comme ça de l'émotionnel, et à un moment donné, ça pète. Et il y a énormément de colère à l'intérieur qui a besoin de sortir. Et j'ai trouvé un livre que je trouve juste génial, donc du coup j'ai envie de t'en parler. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat et le business. Quoique, on pourrait toujours faire des liens, mais j'ai envie de te parler de ce livre-là, qui s'appelle « Je me défends du harcèlement » d'Emmanuel Piquet. Emmanuel Piquet, elle a créé une structure qui s'appelle, un centre qui s'appelle Chagrin scolaire et qui aide les enfants victimes de harcèlement justement à ce qu'elle appelle décocher des flèches pour se défendre juste avec des mots. Et moi j'adore, je trouve ça génial. Tu peux trouver des, je crois qu'elle a fait des TEDx, tu peux trouver ses conférences, enfin ses TED sur YouTube avec plein d'histoires hyper précises. J'adore les histoires de gens, j'adore les histoires en fait. C'est vraiment quelque chose, j'aime découvrir quelqu'un par son histoire, c'est un truc qui me passionne. Et ça, c'est un livre qui ne fait que raconter des histoires. Donc là, ce matin, on a parlé de l'histoire avec les enfants. Donc du coup, on a l'histoire de Jean-Paul, qui a 13 ans. Et dans la cour, il y a Lucas, qui ne lâche jamais. Et donc, Jean-Paul raconte son histoire. Ensuite, il y a un petit décodage de conseils de psy pour comprendre ce qui se passe. Il y a le schéma qui dit pourquoi ça se répète toujours. Et ensuite, il y a le conseil pour désamorcer le schéma. Jean-Paul met ça en... Jean-Paul est suffisamment courageux à prendre tout son courage à deux mains pour mettre en place ce conseil-là, qui est je pense, à l'opposé de ce que plein de parents pourraient encourager leur enfant à faire ou à dire. Moi, je trouve ça juste génial. C'est de la... Au niveau communication, au niveau de c'est une flèche verbale qui directement va permettre à l'enfant qui est harcelé, très rapidement en tout cas, de sortir de cette situation. La première fois que j'ai parlé à mon fils de cette méthode-là, je lui explique un peu l'histoire que j'avais entendue sur le TED. Je lui explique l'histoire d'une petite fille, je lui explique l'histoire, comment ça fonctionne, ce que la psychologue lui a dit, comment dire et agir, et ça a fonctionné. Mon fils, il m'a dit, mais cette dame, c'est une sorcière. Moi, je veux trop la rencontrer et travailler avec elle si j'ai encore des problèmes à l'école avec du harcèlement. Donc voilà, c'était mon conseil du jour. Et sinon, aujourd'hui, je bosse sur... je te les montre très rapidement parce qu'en fait, c'est une proposition de ma graphiste pour les logos de l'oracle. Et j'ai été un petit peu trop rapide dans mon premier retour de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, de ce que je voulais d'autre comme proposition et tout. J'étais beaucoup trop rapide. J'ai pas été dans le détail de ce que j'aimais, de ce que j'aimais pas. Et en plus, dans ma tête, je suis partie du principe que j'aimais le premier logo et le dernier logo. Du coup, assez rapidement, j'ai parlé du 1 et du 2 au lieu du 1 et du 5. Et du coup, on s'est mélangé les pinceaux et on est obligé de la pauvre, elle a fait tout un travail de proposition pour rien.
Je suis assez désolée de ça. Donc là, j'ai fait mes devoirs, j'ai imprimé ces propositions. Pour chaque proposition, j'ai écrit ce que j'aime pas. J'ai fait un récap de tout ça et j'ai aussi mis quelques phrases de l'ambiance que moi je vois pour le logo, parce que c'est l'ambiance que je veux transmettre avec l'oracle, donc d'une rive à l'autre. Et ben voilà, je lui renvoie tout ça aujourd'hui en espérant avoir rapidement ses prochaines propositions pour avancer sur le projet de cet oracle. Et ben je te souhaite une très bonne journée. Salut!